Massy. Salut tout le monde, c'est Massy. Oui, ça fait près de 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Mais justement, en 2 semaines, il s'est passé quand même assez de trucs. Donc premièrement, l'école a commencé. Deuxièmement, je me suis fait couper les cheveux. Et troisièmement, je n'arrête pas de m'ennuyer en dehors de l'école. Mais quand je dis ennuyer... Ennuyer. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la rentrée. Et à la rentrée, il n'y a pas juste les études et la routine, il y a aussi les amis. Et c'est exactement de quoi on va parler dans cette vidéo. Donc déjà, il faut faire la différence entre les amis et les meilleurs amis. Oh oui, parce qu'il y a une grosse différence. Une situation d'ami normal ressemble à... Yo, Jimmy, t'es mon ami, mais tu me fais honte là, man. Tandis qu'une situation de meilleur ami ressemble à... Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours la même phrase qui se répète à chaque fois qu'on veut se faire un ami quand on est petit. Est-ce que tu veux devenir mon ami? Non mais sérieux, plus on grandit, plus on se rend compte que cette phrase est la plus insensée du monde. Non mais c'est vrai, tu ne peux plus faire ça quand tu as dépassé un certain âge. Voilà. Hey, est-ce que tu veux devenir mon meilleur ami? Ok. Nous sommes officiellement amis. La chose la plus stupide entre les amis, c'est l'hypocrisie. Non mais sérieusement... Non mais sérieusement, pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi? Non mais je ne vois pas sincèrement l'utilité d'être gentil avec une personne, mais de parler sur son dos par la suite. Bon, je sais que ça peut arriver à tout le monde, l'hypocrisie, mais regardez. On a cette hypocrisie-là. Celle qui peut arriver à tout le monde. On a cette hypocrisie-là, celle qui peut aussi arriver à tout le monde, mais qui est un peu plus grave. Et on a cette hypocrisie-là, qui peut ressembler à ça. Ouais, Jimmy, je vais te dire, t'es vraiment trop cool, on s'est vu à l'école. Vraiment, t'es une personne géniale. Honnêtement, on devrait se reparler encore, t'es vraiment trop cool. Sur ce, je dois te dire bye. Ouais, bye. Ouais, salut Mathieu, je voulais te dire, je viens de parler à Jimmy, ce mec il est trop stupide. Stupide, débile. S'il y a bien une chose que j'ai jamais compris avec les amis, c'est les amis qui s'insultent, que ce soit par téléphone ou par voix naturelle, en même temps de se parler. T'es trop stupide. Non mais sérieusement, si on exagère la situation, ça ressemble à... Écoute-moi bien, connard, je te jure, je vais te retracer, tu es, t'as compris? Espèce de débile, hein, est-ce que t'as compris? Hein? C'est tout pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé, vous pouvez partager sur votre mur Facebook, montrer la vidéo à votre mère, à votre soeur, à votre ami Jimmy, à votre grand-mère. Sur ce, avant que vous quittiez, j'ai envie de vous montrer le nouveau buzz qui se rapproche de Gangnam Style. Oh oui, encore une fois. Oh oui. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by morse? Morse, morse. How will you speak to that horse? What does the frog say? La chanson se nomme The Fox et je vous laisse là-dessus.